Salut, c'est Warwick de Rakan Gaming, bienvenue sur Wildlands. Donc là, c'est l'open beta. Alors, je vous fais une petite vidéo en mode très accéléré pour la création du personnage. Parce que du coup, il y a vraiment pas mal d'options, il y a beaucoup de choix. J'ai mis pas mal de temps à faire mon choix. Je suis pas sûr que pour la version finale, je prendrai cette apparence-là. Mais en tout cas, je voulais vous faire profiter des différentes options que vous avez pour créer votre personnage. Donc là, comme vous voyez, vous avez quand même plusieurs apparences, apparences quand même prédéfinies au niveau de la peau, du visage et des formes, donc bon, c'est quand même du choix. Vous pouvez choisir quand même quelques couleurs au niveau. Bon, ça manque un petit peu au niveau de la barbe. J'aurais voulu des versions un peu intermédiaires, même au niveau des cheveux. Il y a du choix, mais c'est limité quand même, un peu à la division, mais en plus poussé. Mais bon, quand même pas forcément déçu non plus, hein. J'ai pu obtenir quelque chose d'assez satisfaisant. Il y a quand même de quoi faire des personnages différents. Je trouve toujours avec ma cicatrice que j'aime bien mettre. Ouais. On peut avoir des modes aléatoires, bien sûr. Peinture faciale, ouais. Elles sont amusantes, mais bon, j'aime toujours pas. Les tatouages sont quand même bien, ils sont beaux, ils sont quand même bien précis tout ça. Mais toujours pareil, ça manque un petit peu encore de diversité, quoi. Mais bon, il y a le côté un petit peu trop américain quand même qui est bien présent. Bon. Enfin, je comprends, c'est les forces spéciales américaines, mais. Donc du coup, au début, je voulais mettre ça sur le bras gauche, mais comme j'avais pas le tatouage que je voulais sur le bras gauche, plutôt mis ça sur le bras droit. Alors, au début, pour l'habiller, c'était pas évident parce qu'ils m'ont mis une espèce de voilà, fourrure dessus, je sais pas trop, un camouflage. D'abord tout virer pour mettre autre chose. Alors, du coup, après, je vais partir sur la petite veste à capuche. Alors, du coup, c'est un peu con parce que ça cache mon tatouage. Mais bon, on voit encore au niveau du poignet. Donc, il y a quand même pas mal de choix de couleurs quand même, c'est sympa. Donc voilà, il y a quand même du choix pour personnaliser son personnage, hein. Il y a pas photo. Même si ça pourrait à certains endroits pousser un peu plus. Alors une fois que vous avez créé votre personnage, on va dire la skin et le sexe, vous pouvez plus changer, hein. Mais vous pouvez quand même après repersonnaliser, en tout cas au niveau habillage, etc. Donc c'est quand même, pour ça c'est sympa. Voilà, une petite casquette. Casque micro, comme quand on enregistre nos vidéos. Lunettes, j'abandonne. Alors les masques, il n'y en a pas. Genre, dans un sens, c'est un peu dommage les masques, du coup on voit plus notre tête. Mais je sais pas, c'est peut-être tentant. Les gants, ouais, pas trop de choix, j'ai bien aimé celle-ci, hein, celle qui on voit les doigts encore. C'est pratique. Les sacs à dos, c'est très sympa, il y en a plusieurs différents. Et on peut voir ça personnalise en fonction peut-être de ce qu'on va faire. On va avec un drone ou pas avec un drone. Alors on a un petit logo là, un petit écusson qui va se retrouver aussi sur la casquette. Donc ça c'est sympa, il y a quand même pas mal de choix. J'ai pris un truc qui ressemble au Spartan, Spartiate. On appelle Halo. Voilà, pareil que je vous disais, ça me rappelait un peu la division. J'essaie de reprendre un truc un peu équivalent avec les genouillères, le jean, tout simple. Alors j'ai oublié, je l'ai rajouté plus tard, c'est voilà, c'est ça, le gilet pare-balles. Alors là on a des ensembles prédéfinis, mais du coup voilà, c'est juste pour les montrer, mais je les ai pas gardés. Donc voilà, une petite présentation assez rapide sur Wildlands. Allez, à très bientôt sur une vidéo pour puis surtout une série là-dessus. Bye bye tout le monde, portez-vous bien. Thank you.